وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. On continue biidnillahi ta'ala ce que nous avions commencé avant le mois de Ramadan pour parler des règles concernant le jeûne. Il y a certains jeûnes où les jours de jeûne doivent être obligatoirement suivis, comme le mois de Ramadan. Ce qui est clair, le mois de Ramadan c'est plusieurs jours dans un même mois. Comme par exemple quelqu'un qui a commis un meurtre inattentionnellement, par erreur, celui qui a tué un croyant par erreur, par exemple dans un accident de voiture, alors il devra jeûner deux mois mutatabi'in, s'il est fautif, s'il a une part de responsabilité dans sa mort, donc il devra jeûner 2 mois d'affilée. Kadhalika al-dhihar, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, celui qui dit à sa femme haram pour moi comme le dos de ma mère. Et l'islam a interdit d'utiliser cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus la toucher normalement. Lakin, Allah Ta'ala il a interdit de faire ça, et pour te faire pardonner, celui qui a dit cette parole-là, il devra jeûner 2 mois d'affilée avant de pouvoir retoucher sa femme. Kadhalika, celui qui fait un acte avec sa femme pendant Nahar Ramadan, fi Nahar Ramadan. De même, il devra jeûner 2 mois d'affilée comme expiation. Celui qui a fait le vœu de faire un jeûne, par exemple, de 6 jours suivis, il dit, ah Allah, par exemple, si tu me donnes telle chose, ou si j'arrive à avoir telle chose, je vais jeûner pour toi 1 semaine d'affilée. Si tu as dit d'affilée, tu seras obligé de le faire d'affilée. Et il y a d'autres jeûnes où le fait que les jours soient suivis ne soit pas obligatoire. Comme par exemple, les jours où l'on rattrape les jours de Ramadan, Qada au Ramadan, pour la femme, ou bien pour la femme qui a eu ses menstrues pendant le mois de Ramadan, ou bien si on était malade ou en voyage et on a rompu le jeûne, et on veut rattraper, là, yalzimuna, on n'est pas obligé de faire suivre les jours de jeûne, mais on peut les jeûner dispersés. Celui qui, par exemple, ne trouve pas dans le hajj une bête à égorger s'il fait tamattuah. Par exemple, il va faire une ramra et un hajj en même temps. Tamattuah, c'est ce que la plupart des gens maintenant ils font, ce nusuf. Tamattuah. Il vient avec une ramra, après il tahallal, après il enlève son ihram, et après ça, il va faire le hajj le jour de Yom tarwiyah, il va remettre son ihram. Le 8e jour de Dhul. Donc, celui-là, il est obligé de quoi? D'égorger une bête, ou bien de payer quelqu'un pour qu'il égorge pour lui, qu'il sacrifie pour lui une bête. Celui qui n'a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le hajj et 7 jours quand il retourne. Les 7 jours quand il retourne, il n'est pas obligé de les suivre. Les 3 jours pendant le hajj, il devra les faire pendant les périodes du hajj. Donc, il devra les faire pendant les 3 jours de tashriq. Les 3 jours de tashriq, c'est-à-dire le lendemain de l'Aïd, 3 jours après l'Aïd, au pèlerinage, puis après quand il rentre, il fera les 7 jours. Kadhalika, le jeûne de Shawwal, les 6 jours de Shawwal, pareil, ce n'est pas obligatoire de suivre les jours, bien que ce soit recommandé. De même que si on jeûne dans Charban ou n'importe quel autre jeûne, à part ceux dont on a parlé auparavant, ce n'est pas obligatoire de suivre les jours de jeûne, c'est recommandé. Pourquoi c'est recommandé? Parce que vaut mieux se dépêcher à faire le bien. Plus vite on le fait, plus on a de récompenses, comme Allah Ta'ala nous a dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ, dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Et donc, si on les fait suivre parce qu'on veut se dépêcher de les faire, c'est une bonne chose. Wa illa la Kadalika. Kadhalika, il faut savoir que les jeûnes surrogatoires, ça comble le manque qu'il y a dans les jeûnes obligatoires. De même, le fait de faire beaucoup de prières surrogatoires, avant les prières, après les prières, ou alors mutlaq al-nafila, quelle que soit la prière surrogatoire, elle va combler le manque qu'il y a dans les prières obligatoires. Kadhalika as-siyam. le jeûne. Parmi les exemples de jeûne surrogatoire qui comblent le manque qu'il y a dans les obligations, il y a le jeûne de Ashura, Tasua ou l'Ashura, dans le mois de Muharram. De même, le jour de Arafat, pour les gens qui ne sont pas au hajj. Les gens qui sont au hajj, ce n'est pas une sunna pour eux de jeûner le jour de Arafat. Mais les gens qui ne sont pas au hajj, le jour de Arafat, les nuits blanches, le 13, 14 et 15 des mois lunaires, le lundi et le jeudi. De même que de beaucoup jeûner le mois de Muharram et le mois de Charban, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. De même que celui qui fait les prières les jeûnes surrogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décommandé de jeûner le vendredi seul. De même que le samedi. De jeûner le samedi seul ou le vendredi seul, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas faire. Certaines sortes de jeûnes sont interdits en islam. Minha, le fait de jeûner les jours de l'Aïd, c'est haram. Celui qui jeûne le jour de l'Aïd, il a un péché auprès d'Allah. Que ce soit Aïd al-Adha ou Aïd al-Fitr. Et pas comme les gens croient. Aïd al-Fitr, les gens croient que c'est 3 jours. Le jour de l'Aïd et 2 jours après, ou alors 3 jours après. Là. Aïd al-Fitr, c'est un seul jour. Le lendemain de Ramadan. Le premier jour de Shawwal. C'est-à-dire le 2e jour de Shawwal, on peut commencer les 6 jours de jeûne. Le Shawwal, bila ishkal, ça ne fait pas partie d'ayam al-Aïd. Idan, yom al-Aidain. Ou ayam al-tashriq. Ayam al-tashriq, c'est quoi? C'est le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul. C'est-à-dire, c'est les 3 jours qui suivent Aïd al-Adha, le Aïd du sacrifice. Ces 3 jours-là, c'est interdit de jeûner, illa, sauf quelqu'un qui est au hajj et qui n'a pas eu de quoi sacrifier une bête, alors il devra jeûner ces 3 jours-là, en plus des 7 jours quand il revient, pour combler ce manque, pour le fait qu'il n'a pas eu la capacité d'égorger une bête. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Pourquoi c'est interdit de jeûner les 3 jours de tashriq? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces jours-là, a dit: c'est les jours pour manger et pour boire. Donc l'islam a fait ces 3 jours-là pour manger et pour boire, et non pas pour jeûner. Maintenant, on va parler de certaines règles qui sont liées au jeûne pour les voyageurs. La première condition pour pouvoir rompre le jeûne dans le voyage, c'est que le voyage qu'on fait, c'est pour une obéissance, pour quelque chose de moubah, ou bien une obligation, ou bien quelque chose de recommandé, ou bien quelque chose de halal, moubah. Par contre, si quelqu'un fait un voyage pour faire le haram, celui-là, il n'aura ni le droit de rompre le jeûne, ni le droit de raccourcir sa prière. Car cette rukhsa, car cette facilité, elle est donnée, c'est une facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ceux qui lui obéissent, non pas aux désobéissants. Celui qui, par exemple, d'un pays musulman, pendant le mois de Ramadan, il veut venir en Europe pour pouvoir faire le haram et aller dans les endroits haram, celui-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne, même s'il est voyageur. Non. Il faut savoir que pour que le voyage aussi nous permette de rompre le jeûne, c'est pas n'importe quel endroit où on va. Par exemple, quelqu'un il va d'ici au Mureau, c'est pas un voyage. Quelqu'un il part d'ici, par exemple, à Corbeil-Essonnes, ce n'est pas un voyage. Il faut que ce soit considéré un voyage dans l'habitude des gens. Par exemple, c'est connu que si quelqu'un dit « je vais à Amiens », c'est un voyage. Il y a 100 et quelques kilomètres. Si quelqu'un dit « je vais à Auxerre », c'est un voyage. Si quelqu'un dit « je vais à Chartres », c'est un voyage. Voilà, qu'in s'il va dans les périphéries proches de Paris, tout ça c'est considéré, c'est pas considéré comme une distance reconnue comme un voyage. Non. De même, par exemple, quelqu'un a l'intention de voyager. On va donner un exemple simple. Quelqu'un va partir au bled pendant les jours de Ramadan. Et il sait que par exemple son avion est demain. Ou bien il prend la voiture, il y va en voiture. On va donner l'exemple de la voiture parce qu'après on va parler de l'avion. Il veut prendre la voiture demain pour descendre au pays. Ou bien dans le sud ou n'importe où. En voyage. Un voyage moubah, halal. Est-ce que dès qu'il se lève le matin, il a droit de manger? Par exemple, lui à 10h, il prend la route. D'accord? Il va être voyageur. Et on a dit que le voyageur, il avait le droit de rompre le jeûne. Lui, il est chez lui à 9h. Est-ce qu'il a le droit de manger et de partir en voyage? La niya, c'est pas suffisant pour rompre le jeûne. Premièrement, parce qu'il peut avoir la niya de voyager et en fin de compte, il ne voyage pas. Et il n'aura pas jeûné ce jour-là, alors qu'il n'est plus voyageur. Deuxièmement, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il partait en voyage, il ne raccourcissait pas la prière tant qu'il n'a pas quitté la ville et qu'il a laissé les constructions derrière lui. De même pour le jeûne. On n'a pas le droit de rompre le jeûne tant qu'on n'a pas laissé les constructions de la ville derrière nous et on a, ça y est, on est sur la route. Le prochain point, le voyageur, il a le droit de rompre le jeûne, que le voyage soit fatigant ou non. S'il est voyageur, yajuzu lahu al-fitr. Que ce soit, il soit par exemple climatisé, avec tout ce qu'il faut, il voyage sans fatigue, sans rien. Parce qu'Allah lui a donné cette permission. Celui qui est en voyage, il peut rattraper d'autres jours. Lakin, c'est quoi le mieux pour lui? Est-ce que le mieux pour lui c'est de jeûner? Ou est-ce que le mieux pour lui c'est de rompre le jeûne? Des sahaba en voyage, il y en a certains jeûnaient et d'autres ils ne jeûnaient pas. Et il n'y en a pas un qui reproche quelque chose à l'autre. Cette question-là, il y a un peu, ça dépend des cas. Parce qu'il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il y a une personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était fatigué et qui était en voyage et qui jeûnait. Il lui a dit, ça ne fait pas partie du bien de jeûner dans le voyage. Mais un autre est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, oh messager d'Allah, moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, je trouve la force de jeûner dans le voyage. Il lui a dit, si tu as la force, si ce n'est pas dur pour toi, et tu as une bonne monture, jeûne. On regarde la difficulté. Si c'est un voyage dans lequel il a de la fatigue, ou de la difficulté, ou bien il sent de la fatigue, le mieux pour lui, il aura plus de hajj, plus de hasanat, s'il rompt le jeûne et il rattrape plus tard. Mais si le voyage n'est ni fatigant, ni difficile, le mieux pour lui, c'est de jeûner ce jour-là. Kadhalika lil faida. Si quelqu'un a besoin de faire une injection, des médicaments par injection, que ce soit musculaire ou sanguine, si c'est juste des médicaments, il n'y a pas dedans de glucose ou de nourriture, ça ne rompt pas le jeûne. Si par contre c'est du glucose, ou bien ce qu'il donne par exemple le sérum là quand on est à l'hôpital, ça fait rompre le jeûne. Car c'est fi ma'na ta'am, car ça nourrit, ça renforce le corps. Donc ça fait rompre le jeûne, il devra rattraper un autre jour, biidnillahi ta'ala. Naam. La personne qui part en avion en voyage, lui, il est dans l'avion et il voit le soleil se coucher. Complètement. Il mange, il rompt le jeûne. Après, l'avion décolle, il revoit le soleil. Est-ce qu'il a quelque chose à faire? Son jeûne est valable. Car au moment où le soleil s'est couché à l'endroit où il était, il a obéi à Allah Ta'ala en rompant son jeûne. Après, il a décollé, le soleil, il l'a vu, ça. Ça ne change rien de son jeûne et ça ne diminue rien à son jeûne. Une personne qui veut prendre l'avion, il va à l'aéroport. Si l'aéroport il n'est pas collé à la ville, c'est-à-dire que de sa ville jusqu'à l'aéroport, il y a un vide. Il y a un moment où il passe par un vide, c'est-à-dire par des champs, il n'y a plus de construction. Alors, il pourra commencer à rompre le jeûne à l'aéroport et diminuer la prière. Par contre, si l'aéroport est collé à l'agglomération, il est entouré par les villes et il va de ville en ville, en ville, en ville jusqu'à l'aéroport, il n'aura pas le droit de rompre jusqu'à que l'avion décolle. Non. En s'appuyant sur ce qu'on avait dit auparavant, qu'il ne commence pas à rompre le jeûne tant qu'il ne quitte pas les constructions de la ville. Non. La personne qui était en train de jeûner, et l'avion décolle en pleine journée. Quand est-ce qu'il va rompre le jeûne? On donne un exemple. Il est au-dessus de Bruxelles, en avion. Est-ce qu'il va rompre le jeûne aux horaires de Bruxelles? Ou est-ce qu'il va attendre que le soleil se couche dans le ciel? Quand il est dans le ciel, il voit le soleil se coucher, il rompt le jeûne. Et il ne suit pas les horaires de la ville qu'ils sont en train de survoler. Mais ce qu'il est obligatoire pour lui, c'est de suivre le soleil à l'endroit où il est. Ça nous enseigne quoi, Ikhwatel Iman? Ça c'est très important cette mas'ala. que les heures de la prière dans l'islam, elles ne sont pas liées à une tranche horaire, mais c'est lié au soleil. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète ﷺ sur les horaires de prière? Il nous a enseigné à chaque moment comment on doit prier. Quand on voit le trait blanc à l'horizon, c'est le fajr, jusqu'à que le soleil se lève. Quand le soleil penche après son zénith, l'heure de dhuhr est entrée. Quand l'ombre de la personne fait une fois sa taille, plus la taille de l'ombre qu'il avait au moment du zénith, c'est l'heure de l'asr. Quand le soleil se couche complètement, c'est l'heure du Maghrib. Quand, à l'horizon, les lueurs rouges disparaissent complètement, c'est l'heure de l'Isha. C'est pour ça que vous voyez une grande différence dans les horaires de prière entre l'hiver et l'été. Par exemple, l'hiver, il y a combien de temps entre le dhuhr et l'asr? Il y a moins de 2 heures. En été, il y a combien de temps entre dhuhr et l'asr? 4 heures. Kadhalika, en hiver, il y a 1 heure, 1 heure et quart entre Maghrib et l'Isha. Et de même, en été, il y a 2 heures, 2 heures et quart entre le Maghrib et l'Isha. Car ça suit la course du soleil. Et il y a eu donc des tests qui ont été faits clairement par des gens de confiance. Puis c'est une fatwa de Kibar, l'ulama qui sont réunis dans l'assise de la Ligue islamique mondiale, qui a réuni la plupart des grands ulama du monde musulman, qui ont déterminé, alhamdulillah, des calculs à suivre pour que nos horaires elles soient justes par rapport à des tests réels. Et alhamdulillah, auparavant en France, tout le monde suivait ces calculs. C'est en 96 qu'ils ont commencé à changer les calculs. Et ceux qui font la prière ici depuis plus de 15 ans se rappellent très bien qu'en été, on faisait la prière vers 00h15. Et on faisait le fajr à 3 heures. Et pour tous ceux qui veulent des détails sur cette question-là, sur notre site internet, il y a 2 fatwas. L'une de Cheikh Al-Uthaymi et une autre de Majma' al-Fiqhi, où dedans il y a 3 fatwas. Ils ont fait en 1987 et 2007, où ils ont confirmé la manière dont on doit suivre les méthodes de calcul. Et c'est confirmé que ça n'existe pas de dire qu'entre Maghrib et l'Isha il y a 1 heure et demie. Jamais, ni au temps du prophète alayhi salam, ni après, on peut dire qu'il y a un temps déterminé entre Maghrib et l'Isha. On a dit que l'heure de l'Isha elle rentre quoi? Quand les rougeurs du soleil elles disparaissent à l'horizon. Jazakumullah khair. Nas'al Allah tabarak wa ta'ala yubassirana fi din. Une dernière question et on va s'arrêter là incha'Allah. Si quelqu'un passe par une ville, il va rester 1, 2 jours, 3 jours. 4 jours, 5 jours, il n'a pas l'intention de rester dans cette ville pendant son voyage. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de jeûner ou non? Non. Tant qu'il n'a pas fait ni al-iqama, quand il n'a pas l'intention de rester dans cet endroit-là, il est voyageur. Voilà, s'il a trouvé la force de jeûner, c'est mieux pour lui de jeûner. Et même s'il ne jeûne pas parce qu'il est voyageur, c'est pas il sort dehors, il mange devant les musulmans. Là, même si lui, il prend la permission de manger, il le fait en cachette, pour pas que les gens pensent du mal de lui et croient qu'il est en train de manger les jours de Ramadan. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadha al-qadr insha'Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qur rabbi zidni ilma.